Mec, regarde ces fesses. Tu sais, ça peut être de fausses fesses. Ça n'a pas l'air. Ça peut être de fausses fesses. Regardons ici. Aïe. Putain. Cette fille est sexy. Oh putain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que je fais? Je prends juste ce qu'il y a à moi. Tu devrais être poli. Comment ça, poli? Attends, mais... T'es obligé d'aller dans ma chambre? Écoute, mec, il a trouvé la montre ici. Mec, tu n'as pas de bonne manière. Écoute, tu ferais mieux de ne pas dire ça de moi. J'apprécie pas. Présente tes excuses avant qu'on se mesure. Il vaut mieux que tu le fasses avant ce mariage. Je ne le ferai pas. Présente tes excuses, mec. Je ne vais pas le faire. Qu'est-ce qui te prend là? Allez, les gars. Ah, du calme, les mecs. Écoutez, il y a quelques minutes, nous étions heureux. Qu'en est-il de la joie d'aller au mariage de Maxwell? Excuse-toi. Aruba, allons-y d'ici. Excuse-toi. Je ne vais pas le faire. Hâte. S'il te plaît, fais tes excuses. Ok. D'accord. Je suis désolé. C'est même de la pacotille. Tu utilises ta fausse montre pour faire le malin. Attends, t'as vu ça? J'ai vu. Tu sais que c'est sa faute, n'est-ce pas? Je sais que c'est lui qui a tort. Gare, allons-y. Ça va, allons-y. Ah, ah. Écoute, mec, je reviens. Michael, allez! Nous allons avec sa voiture. Arrête ça, mec. Je viens. C'est ça, prends ta veste. Allons-y. Hé, hey, mec, tu te fâches? Ah, ah. Très bien. Maxi! Maxwell! 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 Le nouveau marié! Félicitations, mec! Comment tu vas? Je vais bien! Eunice! Eunice! Salut! Prenons une photo! Prenons une photo! D'accord. Un peu de sérieux. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est ton mariage. C'est ton mariage. C'est oh. Notre épouse. Oh. Doucement. 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 Sois prudent, tu sais qu'il n'a pas le poids. Il n'a pas le poids, il perd l'équilibre. Il a besoin de nourriture. Ma chérie, nourris cet homme. Oh. Nourris-le. Nourris-le bien. Ce qu'il prend jusqu'à présent ne lui fait rien. Wow. Oh, Eunice. Wow. Hey, Eunice, chérie, tu as vraiment changé. Ouais, vous également, mais Aruba n'a pas autant changé que ça. Vous savez, elle est bizarre. Dieu par-ci, Dieu par-là. Oui. Finalement, tu l'as rencontrée. Elle était toujours en train de prêcher sur Dieu. Toujours en train de prêcher. Et toi, Michael, tu n'écoutais jamais mes prédications. Je pressentais que t'étais le diable par Pour moi. Pourquoi devrais-je donner ma vie à quelqu'un d'autre? C'est ma vie, et j'aime ma vie. Attends, t'es si fière. Kinchley, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, moi, je suis courtier en valeur immobilière, consultant et analyste. Et en même temps, j'ai une activité secondaire, tu vois. Super. Et toi, Michael? Oh, je fais dans le média. Ça attire beaucoup de filles, donc. C'est pas drôle, c'est irresponsable. T'as pas changé. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, en ce qui me concerne, je travaille pour le gouvernement en tant que contractuel. Oh,
génial. Alors, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je travaille pour une banque. J'offre mes services. Oh. Ouais, pour le moment, je travaille 3 jours/7. Oh, waouh. Wow. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on se verra le plus souvent. Sûr. Les gars, je vais vous donner des formulaires de célibataires. Je pressens que vous êtes encore tous célibataires. Ouais, oui, très, très célibataires. Nous voulons nous sommes mariés. Oui. Vous savez qu'on se verra à l'intérieur. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre vos formulaires. Okay, ça marche. J'ai été vraiment ravie de vous revoir. Ravi aussi, la sœur Eunice du Tout-Puissant. C'est quoi ça, les mecs? Oh, c'est une bombe, mec. Quel était son nom? Attends. Eunice Noba. Savez-vous, pour la première fois de ma vie, j'aimerais pouvoir l'avoir dans mon lit. Comme... Non, ce que je veux dire, c'est... J'arrive. Hey, hey. Oh mon Dieu, c'est toi. Ouais. Après toutes ces années. Ah, 2 ans en fait. Waouh. Je voulais vous retrouver au mariage, mais j'étais super occupée. C'est pas grave. Je veux dire, regarde comment t'es devenue super jolie. Qu'est-ce que vous mangez, vous, les femmes? La nourriture. Oh. J'ai entendu dire que Michael est en ville. Je pensais qu'il avait voyagé. Ah ouais, Michael, il a voyagé, mais il n'a pas mis long. Oh, ok. Eunice, elle est là? Oh oui, je vais lui dire que tu es là. D'accord, merci. Contente de te voir. Moi de même. Je reviens. Merci. Hey! Salut, Kinsley. Salut. Ravi de te revoir. Ouais. bienvenue chez nous. Ouais, c'est un endroit vraiment sympa. Merci. Oh, j'ai... Je t'ai apporté ceci. Qu'est-ce que c'est? Un présent. C'est pas grand-chose. Oh, merci. Je t'en prie. Alors, je passais dans le coin et j'avais pensé m'arrêter, t'acheter ceci. Et donc, je me demandais si t'es pas occupé dans la journée, on peut sortir pour prendre un verre. Ouais, bien sûr, toi et Adobe. Adobe et moi? Ouais. Est-ce que tes amis viennent? Ouais, mes amis viennent. C'est un endroit où on a l'habitude de fréquenter. Donc... Oui, nous allons venir avec vous. Oh, oui. Je n'ai pas dit oui. Oh, elle a dit dans sa tête. D'accord, c'est compris. C'est juste que, tu sais, j'aurais souhaité que nous partions dans mon église. Ah oui, dans ton église. Une autre fois, on pourra le faire. Une autre fois, nous allons le faire. Il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Bon, je vais devoir partir maintenant. Ah, ok. Tu gardes dans la bon. Journée. Hein. Ouais. Merci. Bye. Bye. Au revoir. On se reverra. Ouais, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Pourquoi fais-tu cette tête? Et qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, regarde ça. Par politesse, un jeune homme se pointe devant ta porte. Et ta porte, qu'est-ce que c'est? Une bouteille de vin. Te regarde dans les yeux, te dévisage. Je pense que quelqu'un est sur le point de délivrer ma copine du fardeau du célibat. Mmh. Fardeau du célibat?
Mais toi aussi, t'es célibataire. Eh bien, j'étais en couple il y a de cela 2 mois. Et toi, de ton côté? Eh bien, tu sais, Kinchley est païen. Michael est encore pire. Et Aruba, il n'est pas proche de Dieu. Donc, nous n'avons pas les mêmes voies. Donc, j'espère que tu saisis. Oh, oui. Je l'ai compris. Maman Saint-Esprit, nous sortons avec eux. S'il te plaît. Ada, tu sais, je prie Dieu qu'il ait pitié de ton âme. D'accord. Oh mon Dieu. Je sais, nous sommes au Nigeria, donc pour nous faire. Je veux dire, nous avons aussi des trucs pour fuir, non? D'accord. Je sais pas de quoi tu parles. Non. D'accord. Pouvons-nous juste... Mais honnêtement, je pense honnêtement que si les femmes pouvaient être plus audacieuses de proposer aux hommes, croyez-moi, il y aurait plein de couples ici dehors. Non. Eh bien, vous savez, je pense que l'homme est fait pour aller vers la femme et non le contraire. Exactement. Ça nous donne l'air désespérant. Et le désespoir n'est pas pour la femme. Si je peux me le permettre, le monde change, pas vrai? Vous savez, j'allais dire ça aussi. Mais comme vous le savez, je suis féministe. Exactement. L'égalité des droits veut dire l'obligation d'aller aussi vers les hommes. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire cela. Vous devez savoir que les femmes comme nous ne courent pas après les hommes. Nous devons être attirées magnétiquement. Et ça ne demande pas d'effort. Magnétiquement. Qu'est-ce que c'est? Je veux vraiment savoir. Les qualités. L'attirance naturelle. Et la compatibilité. C'est profond. Pourquoi tout le monde est subitement calme? Non, je pense que... Tu sais, je pense qu'on devrait avoir plus de rencontres. Avoir des conversations intelligentes comme celle-ci, je veux dire, c'est très intéressant. Vous ne le pensez pas, les gars? Oui, bien sûr. Vrai. Oui, surtout avec les filles. Oui, en soirée, bien sûr. Et pourquoi devrais-je le faire tous les soirs? Je travaille, vous le savez. Oh, oui, bien sûr, je sais que tu travailles, je ne te dis pas d'abandonner ton travail. Je ne dis pas que tu es sans emploi, je veux dire, quand nous sommes libres, on peut venir ici pour être ensemble. Les soirs libres ou les jours libres. As-tu déjà entendu parler du mot sapiosexuel? Oui. Parfait, alors c'est le plaisir que j'ai d'être avec toi. Ok, je pense que tout le monde a quelque chose à offrir. Ada? T'es totalement absorbée par ton téléphone. Je vérifie juste mes messages. Nice, puis-je avoir ton contact? Oh, bien sûr. Ouais. Sœur Eunice. D'accord. Et Ada, s'il te plaît. Oh, t'en fais pas. Je t'enverrai son numéro par message. Ok. Bien. D'accord. Merci, les gars. Je pense qu'on a passé une très belle soirée. Ouais. Ils nous sont bien amusés. Ouais. Merci, Eunice, d'avoir honoré mon invitation. Je t'en prie. Nous sommes tous des amis. Mais mon invitation, c'est pour vous, les gars. Je souhaiterais que vous veniez dans mon église. Allez, c'est pas un problème. Moi, je viendrai dans ton vraiment? Église. Je viendrai aussi. Oh, merci Jésus, vraiment? Oui. Ah, ce sera génial. Ada, nous devons partir. Oui, les gars, nous avons passé un bon moment. Ouais. Merci. D'accord. Nous devons partir. D'accord. Aussi. Je vais... D'accord. Au revoir. Ouais, que Dieu vous bénisse. Ok, à toi aussi. T'es fou? C'était quoi ça? De quoi tu parles? Pourquoi tu lui as demandé son numéro? Je veux dire, complètement, je t'ai perdu, t'es malade? Mec, allez! Je suis également son ami. Comment ça, quel ami es-tu avec elle? Au lieu de t'intéresser à quelqu'un qui t'aime, t'es là à jouer les intelligents. Mec, je te préviens, mais fuis-toi, qu'est-ce qui va pas chez toi? Michael, as-tu entendu ça? Kingsley, pourquoi ne peut-il pas demander son numéro? Oh, toi aussi? Toi aussi, t'as son numéro. Hein? Les gars, allons-y, écoute. Je suis fatigué de ton manque de confiance. Bonjour. Bonjour. As-tu vu ça?
Quand avez-vous pris une photo tous les deux? Je n'ai pas remarqué. Quoi? J'ai remarqué que ce gars n'avait Dieu que pour toi. S'il te plaît. Quoi? Nous avons eu cette conversation avant la sortie. Si un gars est gentil et est toujours à tes côtés, prend des photos de toi et les poste sur Instagram, ça veut dire qu'il t'aime. Tu devrais lui accorder un peu d'attention. Merci pour ton conseil, ma chère amie. Il appelle. Salut, Kinchley. Bonjour, cela est radieux. Que fais-tu? Je me prépare pour le boulot. Le rendez-vous tient encore? Je peux pas te donner de réponse, mais je te le ferai savoir. D'accord, je vois. Pas de soucis donc, passe une bonne journée. Meilleur à toi. Bye. Tu sais, la vérité est que j'aurais souhaité que ce soit quelqu'un de l'église qui pose la question. Pour ce qui est de ces gars, ils peuvent rester des amis, je suis pas intéressée. Je dois me dépêcher. Excuse-moi. Alors, on se verra plus tard. Oui. Je dois me dépêcher. Bye. Bye bye. Que fais-tu ici? Ouais, au fait, j'avais besoin de te parler d'hier soir. À propos de quoi? Bien. Tu vois, à Rupa, je m'intéresse à Eunice. Je m'intéresse à elle et, tu sais, sortir avec elle et, si possible, me marier avec elle. Ouais. Et alors, pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça? Pourquoi je t'ai dit ça? Je t'ai dit ça parce que je veux que tu lui donnes l'impression que tu veux la même chose. Oh, vraiment? Donc tu veux dire que si je veux sortir avec elle, je dois lui donner l'impression? Allez, d'accord, d'accord. Maintenant, disons que je la veux. Mais mec, que dis-tu? Hé. Tu m'as bien entendu? Maintenant, écoute. Toi, écoute-moi. Si je veux quelque chose, tu ne me demandes pas de ne pas y aller parce que tu l'as vu. La compétition est maintenant lancée. Mec. D'accord, ça va, mais je vais la voir sous peu. Moi, je te promets, je vais la faire venir ici. Écoute bien, si jamais t'essaies de jouer les intellos, il y aura une confrontation. Que se passe-t-il ici? Que discutez-vous tous les deux maintenant? Évidemment, ce mec ici a lancé un pari pour savoir qui aura Eunice. Et je pense que je suis prêt pour le pari. Eh, partons. D'accord, alors. C'est ce que tu veux? Ok, je suis partant.
Kingsley. Ouais. Kingsley, tu es venu dans ma chambre pour voler mon téléphone. Et maintenant, tu parles de femmes. Elles sont super bonnes, ces galettes. Moi, voler ton téléphone? Alors, que tu allais faire là-bas? Je comprends pas de quoi ce que tu parles. Mais je pensais que tu étais là. Attendez. Vous deux devez savoir quelque chose. D'accord? Aucun d'entre vous ne peut avoir Eunice. Vous savez pourquoi? Eunice est comme vraiment née de nouveau. Et vous deux êtes comme des romantiques diables morts. Et les deux ne vont pas ensemble. Une minute. Salut. Salut, Ada. Oui. Étais-tu occupée? Pas vraiment. Vérifiais certains documents. Wow. Bel endroit. Oui. Merci. Oh, ouais. Wow. Ça te dit quelque chose à boire? Bien, si tu offres, oui. D'accord. S'il te plaît, prends place. Oh, merci. Oh, merci. Je suis sûre que tu es ici pour Eunice. Je ne te comprends pas. Aruba, tu as arrêté de mentir il y a longtemps. Alors, s'il te plaît, dis-moi juste. Allez, nous sommes amis. Amis. Vraiment? Je t'ai vu tes amis et toi dévorer ma copine des yeux au bar l'autre jour. Là, allez, Rada. On avait une conversation. D'accord, s'il te plaît. Tu veux ma copine pour du sexe ou tu veux une relation sérieuse? Alors dis-moi, d'accord? Adaobi, tu as l'air plus sage qu'elle. Oh oui. C'est une colombe. Je suis une divagondée. Mais tu n'as pas toujours répondu à ma question. Tu veux ma copine pour du sexe ou tu la veux pour une relation sérieuse? Réponds juste. Ok. Et si... je t'invitais à sortir. Carrément. T'es pas sérieux. Merci beaucoup. Quand est-ce que je te reverrai? Je ne sais pas. Peut-être au restaurant-bar. D'accord. Ça me va. D'accord, je t'appelle une autre fois, d'accord? Ok, merci pour le déjeuner. Je t'en prie. Bon, au revoir. Bye. Allô, Michael? Allô, Eunice. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Tu es au volant? Oh oui, je suis au volant. Tu sais, je me demandais si je pouvais te suivre à l'église dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons juste que j'ai vu la lumière. Et je cherche une voie à suivre, tu sais? Oh mon Dieu, tu sais que je ne te crois pas. T'es un menteur. Je ne mens pas, je suis sérieux. Waouh. Ok, j'ai rendez-vous avec le groupe ce soir et tu es invité. D'accord, je viendrai. Waouh,
Tu sais, j'aurais souhaité que tu vois la lumière plus tôt. Oui, je sais. Je le ressens aussi. Ok, je suis en train d'aller au boulot maintenant. Je te rappellerai plus tard, j'essaye de garer. D'accord. D'accord. Merci, Eunice. Merci. Je t'en prie. Bye. Mec? Quoi de neuf? Tu as un rancard? Non, il y a une affaire sur laquelle je travaille, donc oui. À plus tard, ok? Tu sais, je devrais être à la maison à me reposer. De toutes les façons, dis-moi. Quelle est ton impression de ce soir? C'est un endroit sympa. Avec des personnes sympas, un bon serment et de belles chansons. Tu sais, j'ai remarqué que tu étais un peu perdu à certains moments. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, rien pour moi. D'accord. J'ai remarqué que tu étais perdu à certains moments quand notre chorale donnait sa prestation. Oui, j'étais... C'était très captivant. À un moment, je me sentais comme... transporté. D'accord. Alors, voici ton formulaire d'adhésion. D'études bibliques... Et pour les célibataires. Oh. Ouais. Merci. Wow. Es-tu dans tous ces groupes? Non. Mais t'inquiète pas. Je serai toujours là pour te soutenir, d'accord? Merci. Merci. Il y a quelque chose que tu as dit en allant à l'église ce soir. Tu as dit que tu devrais commencer à prier. Oh. C'est quand la dernière fois que tu as prié? 5 à 6 ans. Mon Dieu. Ça, c'est un livret de sujets de prière. Je veux vraiment que tu fasses ta prière quotidienne, ok? S'il te plaît, pour le formulaire, essaye de le remplir. La prochaine fois, quand on se verra, je le prendrai. D'accord? Ok. Tiens, et s'il y a quelque chose que t'aimerais savoir ou comprendre, s'il te plaît, fais-moi... Je le ferai. Fais-le-moi savoir. C'était vraiment un super cadeau. En fait, j'aimais mieux un rêve. Mais c'est un sujet pour un autre jour. C'est vraiment? Juste... Merci, Seigneur. Je dois partir. Je dois aller me reposer. Oui. D'accord. Merci. D'accord. Alors... Et si tu ne t'étais pas pointée, tu n'aurais pas vu la lumière? Tu sais, je ne fais pas confiance à ce gars. Pas du tout. Tu as dit qu'il intègre des groupes et que tu le soutiendras. C'est ce que tu as dit. Ada, tu sais comment la vie fonctionne parfois. Certaines personnes peuvent entrer dans ta vie et faire la différence. Mais tu sais, s'il fait semblant... Je jure que je lui donnerai la honte de sa vie. Ouais. Les gens portent des masques, tu sais. Je le sais. Aruba, t'as-t-il appelé? Non. Ah, oui. Je pense que nous avons discuté brièvement.
Tu devrais aussi l'inviter à l'église. Il a besoin de voir la lumière. Juste parce qu'il l'a visité? Non, parce qu'il te veut. Oh. Merci. Ouais, doucement. Merci. Alors, les gars, ceci n'est pas un au revoir. Appelons ça une simple expansion. Ah ouais, c'est bien, tu sais. Aruba fera la prochaine expansion. Ah, est-ce que tu me chasses ou quoi? Non, mec, tu sais, je peux pas te mettre dehors. Mais ton loyer est expiré, alors je te souhaite de l'expansion. Alors, que deviendras-tu? Moi? Mm-hmm. Ah, désolé. Je serai loin d'ici et toi, tu seras tout seul. Ouais. Bonne chance, mec. D'accord, mec. D'accord, je viens avec toi pour de l'aide. D'accord, merci. C'est bon, allez-y. Alors, à plus tard. Ouais. Allô, Inus? Comment tu vas? T'es encore au boulot? Oh, d'accord. Alors, je me demandais si nous pouvions sortir ce soir, juste toi et moi. Pouvons-nous juste... D'accord, pas de soucis. Ouais, bye. Ouais. Je pensais qu'il était mieux. Kingsley est un mec bien. Il est mieux que Michael ou Aruba. Il doit juste aller doucement, tu sais. Je n'aime pas me précipiter dans une relation. Mais tu te précipites avec Michael. Je l'aide juste à trouver son chemin. Il est comme un fils spirituel. Oh. Ouais. Et tu es sa mère spirituelle. Ada, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je dis juste ce que tu m'as dit, que tu allais être ton fils spirituel. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Je suis une leader à l'église. Alors, c'est de mon devoir de suivre ce que j'y ai amené. Oh. D'accord. Et si tu tombais amoureuse de lui? Michael? Jamais! S'il te plaît! Même pas en rêve. Oui. D'accord. J'espère que tu sais ce que tu fais. Le spirituel. Je suis son leader spirituel. Merci, Jésus. Que Dieu te pardonne. Pourquoi? Hey. Hey. Quel est le problème? Écoute, monsieur, je ne suis pas ta babysitter, ok? La prochaine fois que je me demande d'attendre pour 10 minutes, que ce soit ça! Mais ce n'est que 15 minutes, hein? Laisse-moi te poser une question. Es-tu venu à l'église pour flirter avec cette choriste parce que je t'ai vue? Non. Est-ce que tu t'entraînais? Tu es allé à la visite parce que tu savais qu'elle était là. Allez, ce ne sont que des suppositions. Je suppose?
Michael, les gens remarquent. Et la prochaine fois que ça arrivera, prends ton chemin. Vas-tu conduire ma voiture ou je rentre juste chez moi? Bien sûr. Ada? Oh, salut. Salut, où est-ce que tu vas? À la maison. Allez, monte, je te dépose. Merci. Allez, entre. Oh, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Alors, comment tu vas? Je vais bien, merci. Cool. J'étais chez toi il y a environ une heure. Eunice n'était pas là. Oh, vraiment? Ouais. N'as-tu pas appelé? Ouais, je l'ai fait, mais Eunice a tellement l'air occupée qu'elle ne peut pas parler pendant 30 secondes, tu vois. Oh. Avez-vous décidé de sortir ensemble? Eh bien, c'est pas avec les mots. Oh. Michael est membre de son église. Wow, oh mon Dieu, bon, qu'est-ce que, gère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce désolé, que tu fais? Oh, désolé. Oh mon Dieu! Que Dieu ait pitié. Es-tu blessée? Non, mais j'avais littéralement très peur. Je ne savais pas que me rapprocher de Michael allait me causer tant d'ennuis. Et je n'ai jamais donné l'impression à Kinsley que je voulais sortir avec lui, non! Ce gars devient fou de toi. Il a été vraiment blessé quand il a compris que Michael avait conquis ton cœur. Tu veux être celle-là qui joue avec des amis? Non, je ne le ferai pas. Et ne me dis plus qu'il a conquis mon cœur. Écoute, je peux voir cette souris trompeuse d'église. Je sais ce qu'il fait. Excuse-moi. Il n'a pas conquis ton cœur? Non! Je n'ai rien à faire avec lui. Oh. D'accord. Ah, mon Dieu. Tu peux inviter Kinsley à l'église, tu sais? Pour qu'il soit soutenu par toi. Quelque chose comme ça. Il est le bienvenu. Je veux juste... Oh mon Dieu. Je vais juste exploser avec tous ces gars sur mon dos et toi également. Tu veux que j'explose? Ah! Oui. Est-ce que tu es Michael? Pardon? Oh. T'aimes Kinsley? Ada, ça semble désagréable de les avoir dans la vie. S'il te plaît, ne peins pas une image de moi avec une intimité avec l'un d'entre eux, je t'en prie au nom du Seigneur. Ah, ouais. Ah, Jésus. Michael? Eunice. Alors, comment va-t-il? Il va bien. Alors, tu as quelque chose avec lui? Non, je l'aime juste comme un ami. Ok. Qu'en est-il de moi? Allez, arrête. Michael, tu es également un ami, aussi un membre de mon église. Membre de l'église, c'est encore pire que... être un ami, c'est encore pire qu'être un ami. Je suis désolée, Michael,
Je dois me rendre quelque part maintenant. Je suis vraiment désolée. Je dois me changer. Qu'est-ce que tu... T'es malade ? Oh mon Dieu. Michael. Eunice. N'essaye pas de me toucher. Jésus Christ. Eunice. Tu... S'il te plaît, ne le prends pas ainsi, je... Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'essaye de conquérir ton cœur. N'essaie plus jamais une chose pareille. Tu es chez moi parce que tu es mon ami et un membre de mon église, d'accord? Pourquoi tu essayes de m'embrasser? Oh Seigneur Jésus, prends pitié. Allô? Madeleine? J'ai quelque chose de très privé à te dire. C'est à propos de ton ami. Qui? Ok, d'accord. D'accord. Oui? Je t'ai envoyé quelques photos sur WhatsApp. S'il te plaît, je suis désolée si tu es offensée. Oh, je ne les ai pas vues. Je vais les voir. Je te rappelle. Message de l'église te concernant. Mon Dieu, Seigneur Jésus. Non, attends. Il vient de te l'envoyer? Non, c'est forcément un commentaire. Oui. Tu te piégeais toi seul. Non, Ennis, ceci est ton montage. Et il n'y a rien, je t'assure. Je n'ai aucune liaison avec elle. Allez, s'il te plaît, écoute-moi. Ne me touche pas. S'il te plaît, allez. C'est bon. La porte. Sors. Ennis, je... Non, la porte. Tu me demandes de partir? Oui. Va-t'en et corrige-toi. Ennis, n'essaie même pas de me toucher. Que Dieu ait pitié de toi. Ennis? Ennis? T'es de retour? Oh oui, je l'ai vu partir en colère. Que s'est-il passé? Tu sais, je t'avais dit que ce mec est un bon à rien. Que s'est-il passé? Bien. Regarde ces photos. Michael est venu à l'église pour ses propres raisons égoïstes. D'accord. Sortent-ils ensemble? Je ne sais pas. Alors pourquoi? Es-tu triste ou en colère avec? Je veux dire, tombes-tu amoureuse de lui? Ada, tu ne comprends tout simplement pas. Alors amène-moi à comprendre. Non, je ne tombe pas amoureuse de Michael. Alors... S'il te plaît, rends-moi mon téléphone. Salut. Hey, comment tu vas? Je vais bien. Je voulais te demander quelque chose. Tu vois ce qui se passe ici? Est-ce que tu vois ce que Eunice est en train de faire? Pourquoi ton amie? Pourquoi Eunice est-elle? Je veux dire, aujourd'hui elle est avec une personne et demain elle est avec une autre.
Elle n'était pas à la maison depuis quelques jours. Oui, je l'ai vue sur Instagram. J'ai vu son post. Sexy boy un peu partout avec Kingsley. Et elle, ce qui est même le plus douloureux, c'est elle se comporte comme si elle avait de l'intégrité. Ou comme si elle était une personne vertueuse. Pourtant, elle a une double face. Alors toi, tu pars à l'église. Comment se fait-il que tu sois plus sensé qu'elle? Michael, je comprends que tu es ma copine, d'accord? Je ne sais vraiment pas. Je ne suis pas sûre qu'elle soit ce dont tu as besoin. Je pensais qu'elle serait celle qu'il me faut, mais c'est clair qu'elle ne l'est pas. Écoute, je suis déjà fatigué de cet endroit. Allons ailleurs pour déjeuner. Est-ce que tu m'invites à sortir? Je t'en prie, entre. Bienvenue. Hey. Tu sais, je te protégerai à tout moment. Merci. Je t'aime. C'est mon premier baiser depuis que je me suis remise. C'est ok. J'ai plein de trucs pour toi. Elle n'est pas encore à la maison. Oui, elle est avec lui. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui.
Prends place. Merci. Je vais rapidement me changer. D'accord, vas-y. Une minute, c'est... Ceci, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Ada. Elle dit qu'elle sera absente pendant quelques jours. Oh. Je vais aller rapidement me changer. D'accord. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Je suis là. Salut, ma puce. Enfin, je pensais que t'allais être absente pendant une semaine. Je sais, d'accord. Tu peux me blâmer. On s'est tellement amusé. Je peux imaginer à quel point. Et t'as l'air vraiment toute transformée. Ma puce, les investisseurs ont approuvé mon plan d'affaires. Jésus-Christ, Jésus, oh mon Dieu, je suis si heureuse pour toi. Tu sais quoi, ça mérite d'être célébré. Je sais. Et quoi? Michael et moi allons nous marier. Je sais, c'est joli. Ma puce, nous prévoyons de nous marier le plus tôt possible. Pas de temps à perdre, tu sais de quoi je veux parler. C'est vraiment joli. Je sais, nous étions juste excités. Oui. Oh, Michael m'attend, d'accord? Je me dépêche, je viens. Nous devons aller chercher des trucs pour le mariage, alors? Qu'est-ce que je te garde? Quelque chose? Bien sûr, ma puce. Nous devons célébrer. Je reviens, d'accord? Au revoir. Tu attendais la visite? Non. Qui cela pourrait-il être? Oh mon Dieu, regardez qui est là! Ça fait du bien de te voir. Merci. Tu es venue nous rendre visite. Ouais, rendre visite au mari et sa femme. Salut, Inès. Comment tu vas? Bien. Je vais t'apporter du jus. Bien sûr, je suis ton invitée, s'il te plaît. Alors, Michael, comment est-ce que tu vas? Rends-tu souvent visite à tes amis? De temps en temps. Oh, c'est bien. Bel endroit. Merci. Et voilà. Merci. Il y a aussi à manger, si ça te dit. Oh non, j'ai dîné avec Kinsley plus tôt dans la journée. D'accord. Pourquoi es-tu loin de moi? Oh, désolé. Ok, bébé. Je ne suis plus loin. Arrête, t'es faux. Je sais. Alors, Eunice? Je ne t'ai pas dit, mais j'ai une grande nouvelle. Alors, mon bébé et moi avons finalement trouvé un emplacement. Au moment où je te parle, un entrepreneur s'en occupe. Oui, elle aura la plus grande ligne de vêtements au Nigeria. Oui, chérie. Hey! Effectivement. Yo. Je suis si heureuse pour toi. Tu sais, tu as passé des nuits blanches te préoccupant. Tu sais, je suis heureuse. Je sais bien. Hey, une minute. Nous n'avons pas encore eu cette grande fête. Tu n'as pas à te déranger. Quand tout sera fait, mon bébé s'occupera lui-même de la boisson. Ok. Ouais. Il peut le faire. Évidemment. Il peut le faire pour moi. Tu sais. Ah,
Mon téléphone. Tu veux bien? Salut. Ouais, j'arrive. Je sais. Désolée. Tu veux un massage? Oui. Les gars. Oh, merci. Ah, allô, s'il vous plaît. Oh, désolée. Je suis désolée, je dois partir. Je dois voir Kinchley tout à l'heure. Oh. Je ne veux pas faire attendre mon bébé, donc... J'aurais souhaité que tu restes en place. La prochaine fois. Merci d'être passé. Bye. Ciao, Michael. Au revoir. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, je... C'est très surprenant. Vrai? Très surprenant, bébé. Es-tu sûr? Libère le chemin! Dégage! Oh, t'es apparu comme un fantôme. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. D'accord, à propos du mariage? Mes parents... J'ai parlé avec mes parents, ils veulent que je le fasse à temps. J'ai besoin de plus de temps. Plus de temps pour... Je comprends pas. Ma banque. Quand? Ils envoient des cadres supérieurs pour une formation. Quand? Dans quelques semaines. Mais je pense que nous devons planifier le mariage dans 3 mois. Quoi? 3 mois? Allez, chérie, c'est notre trésor, je veux dire. On peut le planifier et puis en finir avec. Et c'est terminé. Kinchley, s'il te plaît. J'ai besoin de plus de temps. Salut, Michael. Salut. Je suppose que nous nous suivons. Je ne sais pas, tu n'as informé aucun d'entre nous que tu venais. Je savais que vous seriez à la maison. De toutes les façons, je suis allée faire du shopping et j'ai pris quelque chose pour toi et pour ta femme. C'est gentil. Alors, je dois entrer et les déposer. Oui, entre. Allons-y. D'accord. Thank you.
Ok. T'as bu? Je peux ressentir l'alcool sur toi. Non, j'ai bu quelques verres avec Aruba. D'accord. Tu n'as jamais eu ce look. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis une femme. Je dois être bien mise. Oui. En plus, j'ai de l'argent. Et toi? T'as jamais été autant embarrassée. Pourquoi est-ce que tu regardes? Fais quelque chose. Quelque chose comme quoi? Viens là. Hmm? Je veux chuchoter dans tes oreilles. Non. Non. Viens tout près. Oh, Michael, je te veux. J'ai envie de toi. Oui, je te veux. Oui, pour de vrai, je te veux. J'ai envie de toi, Michael. Allons à l'étage. Ok. J'ai envie de toi. Allô? Salut. Es-tu déjà à la maison? Oui, je suis à la maison. Oh, d'accord. Je me suis arrêtée au supermarché pour prendre quelque chose. Écoute, tu rentres de... D'accord. Je suis là. Je vais bien. D'accord, je viens. Ok. Pas de soucis. D'accord. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Mes vêtements! Chier. Hey. Ha. Bébé. Bébé, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Tu as... Oh, tu as acheté ça? Oui. J'ai aussi acheté.
Oh, ok, alors on peut les garder, comme ça ne va pas à la poubelle. Je sais bien. Oui, oui. Comment vont les entrepreneurs? Oh, très très bien. 90% presque prêts. Les meubles sont déjà là. Je suis si excitée. Ok, ok. C'est bien, je vais donc. Oui. Oui. Pourquoi es-tu tout ancien? Je transpire? Oui, tu es juste. Je n'ai pas su que je transpirais. Mmh. Oui, mais je fais des exercices. Des exercices? Je sais pourquoi. D'accord. Pour être prêt pour d'accord. Toi. D'accord. Tu es fou. Ouais. Alors laisse-moi. D'accord, je te rappelle plus tard, ok? Ouais, au revoir. Salut bébé. Salut. Comment pourquoi est-ce que nous devons toujours nous voir ici? Qu'est-ce qui est arrivé à ton appartement? Arubé est venu avec une fille qu'il a rencontrée dans les réseaux sociaux apparemment, alors j'ai décidé de leur donner un peu d'espace. Hmm. Ok. Très bien, alors, à propos du mariage, as-tu parlé à ta banque? À propos de quoi? Genre, tu veux dire les invités? Ah non, pas nécessairement, c'est juste que... Enfin voilà, tu leur demandes de te donner un peu de temps pour le mariage. Bébé, est-ce que tu peux arrêter? Je t'en prie. Mais... Nous le ferons dans 3 mois. Je pensais qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est important pour nous, bébé. Et je m'en soucie aussi. C'est aussi important pour moi. Mais s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu plus de temps. 3 mois. Ok. Désolée, s'il vous plaît. Puis-je avoir un verre de jus, s'il vous plaît? Elle veut que je l'épouse. Mmh. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle est une orpheline. Eh ben, je pense que tu devrais la connaître avant d'aller plus loin. Je suis déjà en couple. On a fait l'amour et c'est bien. C'est la connaissance. T'es fini. Hé, hey, les mecs, code neuf. Hé, hey, mon frère. Code neuf. Ah, je veux bien. Comment ça se passe? Code neuf, bien. Code neuf. Je vous offre quelque chose à boire? Non, 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 on veut pas boire. Je veux dire, moi, je veux rien, mais... C'est pas pour ça. Pas pour ça que je suis là. Je suis ici à cause d'Eunice. Qu'est-ce qu'elle a, Eunice? Avant que j'aille plus loin, j'aimerais qu'on puisse régler les différends que nous avons. Je veux dire, on est des hommes, les mecs. Nous devons juste vider nos cœurs et tout laisser derrière nous. C'est ça que je pense. D'accord, aucun problème. Eunice veut reporter le mariage. Pourquoi voudrait-elle faire une chose pareille? Sa carrière, bien sûr. Vous savez, je veux dire, elle considère sa carrière comme la chose la plus importante que nous. Et vous savez, mes parents veulent qu'on se marie le plus tôt que possible. Et vous savez, mon vieux, il est malade. Et le pauvre veut juste que je me marie, si possible, avoir des enfants avant qu'il ne meure. Y a-t-il une raison pour laquelle elle voudrait repousser la date? Ouais, je veux dire, c'est évident, la carrière, en fait. Elle a dit que la banque veut former le personnel, des trucs comme ça. Et sincèrement, les mecs, je ne gourbe pas ça. Je veux dire que tu devais lui laisser un peu de répit. Tu sais, c'est peut-être quelque chose dont elle a besoin pour sa 4e promotion à venir. Ouais, attends, je veux dire, c'est pas à cause du problème qu'on a eu que tu dis ça. Je veux dire, qui soutiens-tu ici dans cette situation? Non, je dis juste, tu sais, genre... juste, c'est peut-être quelque chose dont elle a besoin, tu sais. Comment se passe le travail? Le travail va bien. Et chez toi, comment va le travail? Moi? Ouais, ton boulot. Ça se passe bien. D'accord. Alors les gars, je sais pas. Je pense que... Désolé les gars, je dois prendre cet appel. Désolé.
Ah. Ouais, alors ? Ah. Eh bien, je pense que... il faut peut-être... qu'on parte. On va revenir. Oui, tu devrais partir. Tu dormais déjà. Ouais. Ouais, c'est mieux qu'on parte. Tu sais, va bon. D'accord, ouais. Mec, à plus tard. Plus tard. À plus, mec. D'accord, mec. Ah. Aruba, tu as oublié quelque chose? Michael, est-ce que tu tchatches avec Anis? Ah. Es-tu... Non, genre, elle a juste appelé pour des conseils. Michael, Anis ne m'a pas appelé. Elle n'a pas appelé Kingsley, mais toi. Je donne de bons conseils. Qu'y a-t-il de mal à ça? J'espère que tu ne trompes pas ta femme. Surveille tes arrières. Bien joué. Le défenseur des cocus. Allô? Oui, ils sont partis. Quoi de neuf? Alors pourquoi as-tu décidé de me voir ici? Je suis enceinte. Enceinte de quoi? De notre bébé. Attends. Tu es quoi? Quoi? Comment c'est arrivé? Michael, c'est pas l'Immaculée Conception. Je suis enceinte de toi, nous l'avons fait. D'accord, nous allons donc à l'hôpital. Pourquoi? Pour avorter. Non. Je vais garder mon enfant. Je ne vais faire aucun avortement, d'accord? Oh! Donc ça a toujours été ça, le plan, Eunice. C'est pour ça que tu me rendais visite. Michael, je n'avais pas de plan. Il n'y a jamais eu de plan. Arrête de faire ça. Tu es contente? Hum? Je suis heureuse. J'ai juste l'impression... qu'il y aura un gros problème. Oh oui, c'est clair qu'il y aura beaucoup de problèmes. Mon mariage, mes amis, Aruba nous soupçonne même déjà. Michael, tu dois mettre fin à ce mariage, parce qu'il n'y aura aucune chance que j'épouse Kinchley avec cette grossesse, non! Je te déteste en ce moment. Est-ce que tu te fous de moi, putain? Tu n'es qu'une fausse religieuse. Allez, mon amour, ne dis pas ça de ton épouse, c'est pas juste. Arrête tes sales mains sur moi! Je... Écoute. Pourquoi as-tu permis que ça arrive? Pourquoi? Écoute, Michael. Je vais garder cet enfant. Point final. Je ne vais pas te prendre au sérieux jusqu'à ce que je confirme cette grossesse. Michael! C'est une blague! Michael! Michael! Hey! Bon rayon de soleil! Kinchley? Oui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas appelé. Ouais, j'ai prévu une surprise, donc. Je suis là pour qu'on aille à la banque, plaider au directeur pour qu'il accepte qu'on se marie. Ouais. As-tu pris trop de verres hier soir? Trop de verres? Bien sûr que non. Au contraire, si j'avais bu hier soir, certainement je serais à la banque en train de crier pour avoir le temps d'épouser ma fiancée. Écoute, je suis pas fou, je suis normal, je le fais juste pour nous. Kinchley, je cours après le temps. Je dois aller travailler. Ok, d'accord, ça va, je comprends. Et si on allait ensemble? Je veux dire, fais ça pour moi, mon amour. Pourquoi me donnes-tu l'impression que t'es désespéré? On se verra plus tard. Je dois travailler. Je...
Tu sais quoi? Attends. Attends. Je n'aime pas la façon dont tu parles au téléphone. Que se passe-t-il? Michael, nous sommes amis depuis des années maintenant. Et nous ne nous cachons jamais rien. Tu ne m'as pas dit que tu trompais ta femme avec Nice. Quel genre de stupide... Je t'ai dit de laisser tomber ces stupides... vilains soupçons. Je ne sais pas de quoi tu parles. Michael, j'ai vu ce que je viens juste de t'envoyer dans ton WhatsApp. Qu'est-ce que tu m'as envoyé dans mon WhatsApp? Mec, as-tu oublié que ma sœur travaille dans cet hôpital? Je sais que Nice est enceinte de toi. Écoute, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler, d'accord? C'est juste, je t'ai dit qu'elle est juste venue nous rendre visite à la maison. Oh, elle est venue te rendre visite à la maison. Et tu ne m'as pas dit non plus que tu l'avais déshabillée pendant que ta femme était absente. Michael, tu mangeais du poulet pendant que ton oiseau volait. Que veux-tu? Je veux un demi-million de Naira, et dans les 72 heures, Hawkingsley viendra frapper à ta porte avec une machette. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ah... Je t'enverrai mes coordonnées plus tard. Au revoir. J'ai pris une permission rapide pour sortir. Il y a un gros problème. Problème? Comment est-ce que c'est possible? Aruba, sa sœur travaille dans cet hôpital. Je ne savais pas que ce gars allait être là. Que cet imbécile serait là. T'as demandé quelque chose? Oui. 500 000 naira dans les 72 heures qui suivent. Mais la bonne nouvelle est que... j'ai pris son téléphone, à part s'il a gardé ses photos autre part. Et s'il l'a fait? Écoute, Michael, nous devons partir, nous devons voyager, nous devons aller commencer notre vie ailleurs. Quoi? Quoi? On doit s'enfuir? Michael, écoute-moi. Le plus tôt nous nous enfuirons, le mieux sera. Nous ne savons pas ce qu'Aruba prépare. C'est la meilleure option pour le moment. Qu'en est-il de mon mariage? Michael, écoute, t'es plus marié. Arrête ça. Je suis enceinte et nous devons partir maintenant. Tu ne comprends pas ça? Je ne peux pas croire que je vais le faire. C'est trop. D'accord. Je te rappelle un peu plus tard. Ok. Michael, je t'en prie. Fais attention, d'accord? Je t'aime, mon amour. Hey, comment tu vas? Ada, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est?
une boucle d'oreille. Comment c'est arrivé dans notre chambre? Comment la boucle? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans notre c'est chambre. C'est la boucle, Denise. Et ne me dis pas que c'est pas la sienne, parce que je l'ai appelée et elle a confirmé. Je l'ai trouvée dans notre chambre. Alors comment c'est arrivé dans notre chambre? Je ne sais pas. Tu me demandes comment c'est arrivé dans notre chambre. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans notre chambre. Eunice, c'est ta copine. C'est à moi de te poser la question. Comment c'est arrivé dans notre chambre? Pardon? Que veux-tu dire? Écoute, bébé, s'il te plaît, je suis fatiguée. Mais non, arrête. La dernière fois qu'elle était ici, elle était dans la chambre d'amis. Non, dans notre chambre. Alors comment c'est arrivé dans notre chambre? Tu l'as emmenée ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Écoute, bébé, je suis fatiguée, s'il te plaît. Écoute, j'ai hyper faim. Bébé, écoute, je suis fatiguée, bébé. Ton homme a faim. J'ai faim et tu me parles de boucle. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec une boucle? Allez, chérie. Ah. Chérie, je sais juste, c'est ma manière de dire désolé. J'essaie de m'excuser pour le désagrément qu'on a eu en bas, donc. Donc je suis désolé. Santé. D'accord. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. J'aime ça. Ouais. C'est sucré. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est sucré. Mais très bon. Oui. Tu sais que je t'aime, pas vrai? Michael! Michael!
ce mec? Ada, est-ce que Michael est là? Que fais-tu ici si tôt? Ada, il est 10 heures passées. Est-ce que Michael est là? Écoute, c'est... Michael m'a drogué. Michael t'a drogué? Il m'a drogué. Sais-tu que Michael a volé mon téléphone? Pourquoi volerait-il ton téléphone? Parce qu'il y a des preuves dans ce téléphone qu'il a une liaison avec Nice. Est-ce qu'il est là? Ok, que je l'attrape. Michael! Smile to cut my face. Day by day, January to December, you day for my prayers. Hey. Make you believe me. Put in a day. Allô? Ada? Ouais, comment tu vas? Quoi? Ok, d'accord, je serai là d'un moment à l'autre. Calme-toi. Ouais, j'arrive. Quoi? Ada, tu dois te préparer pour comment affronter ça. D'accord? Je... Que se passe-t-il? Écoute, Kingsley, je suis désolé, j'aurais dû te le dire. Attends. Mais dire quoi? Écoute, je... Michael, j'ai découvert que Michael a une liaison avec Eunice. Et Eunice est enceinte de Michael. Quand je l'ai su, Michael a volé mon téléphone. Parce qu'il savait qu'il y avait des preuves dans ce téléphone que j'allais t'en rentrer. Il a drogué Ada dans la nuit et maintenant il est parti avec ses effets. Je suis désolé, mec. De quelles preuves parles-tu? Je les ai vus sortir de l'hôpital. Quand je suis allé rendre visite à ma sœur, quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, elle m'a dit qu'ils étaient là pour un test de grossesse. Denise porte son bébé. Vraiment désolé. Donc, t'es au courant de ça. Et tu ne m'as rien dit, c'est ça? Tu le savais, tu ne m'as rien dit! Tu ne m'as rien dit! Je suis désolé, mec. Écoute, qu'est-ce qui va pas chez toi? Écoute, je n'avais jamais su ce que c'était jusqu'à maintenant. Tu aurais été marié à elle. Je suis désolé. Écoute, je veux plus rien avoir avec toi, t'entends? Je ne pardonnerai jamais à Ennis. Je ne lui pardonnerai jamais. Elle pourrira avec ce bébé dans son ventre. Je lui proférerai des malédictions tous les jours. Je ne lui pardonnerai jamais. Ada Obi, ce n'est pas la meilleure façon de réagir. Merci, sors de ma maison. Sors de chez moi! Ok, désolé. Je suis désolé, Kingsley. Je suis désolé. Docteur, comment va-t-elle?
Elle va bien, mais honnêtement, nous avons fait tout notre possible. Le bébé ne se montre pas. Qu'en est-il des chirurgiens? Le chirurgien s'occupe d'une opération chirurgicale très importante. C'est une urgence. Mais ça, c'est le deuxième hôpital. Je sais, mais nous avons tout essayé. Il semble que ça ne soit pas médicalement possible. Et nous devons agir. Je vous suggère de voir un pasteur, un homme spirituel. Un pasteur? Oui. Elle en a vraiment besoin. Je suis désolée. Frère Michael, sœur Inès, tu n'as pas à pleurer. Le Seigneur pardonne toujours. Et comme je l'ai dit, vous avez tellement blessé cette dame qu'elle a pleuré à notre Dieu. Et il a entendu ses prières. Donc vous devez demander pardon. Cette grossesse est à 11 mois. Pour le bien de ce bébé, s'il vous plaît, demandez pardon. Et pardonnez-vous. Le Seigneur est miséricordieux. Vous irez mieux. Merci. Vous irez mieux. Merci beaucoup. Merci. Vous irez mieux. Merci. Merci. Je souffre. Au revoir. Ça va aller, sœur Eunice. Et prie, n'oublie pas de prier. Prie. Hein? Prie, ça va aller. Merci. Ça va aller, ça va aller. Désolé. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Bien, avec tout ce que je vois ici, je pense qu'elle fera un bon travail. C'est quelqu'un que tu peux embaucher. Je veux dire, j'ai vérifié son profil, il n'y a aucun problème. Ok. Ouais. En fait, c'est une jeune femme qui vient d'obtenir son diplôme. Oh, vraiment. C'est cool. Je veux dire, ce sont tes 6 premiers mois d'activité, pas vrai? C'est d'accord. Plus tu restes dans le business, il faut avoir un contenu informatique attrayant pour avoir ce que tu veux. Ouais. Travaille pour moi. Ah non. Non, tu sais, je peux pas faire ça, je peux pas. Je te conseillerais plutôt de côté tes affaires à NSC. Tu sais, de cette façon, je pourrais t'aider facilement. Ok. Pensez-y. Aucun problème. Alors, je vais devoir partir. Ah, d'accord, s'il te plaît. Une minute, je vais prendre mon sac. Je veux que tu me déposes chez le mécanicien pour prendre ma voiture. D'accord. D'accord, une seconde. Ok. D'accord. Je t'en prie. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ceci. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en
forêt. C'est à combien de mois déjà? 11 mois. Kingsley, j'ai été stupide. Et honnêtement, je comprendrais si tu ne veux pas me pardonner. Adobe, je t'ai encore plus blessé. Je ne pouvais pas supporter le fait d'avoir brisé nos valeurs. Tu as fait ce que tu as fait à cause d'elle, à cause de toi. Oui, 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 je suis désolée. Ada, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Cet enfant n'a pas à subir tout ceci. Je t'en prie, pour l'amour de Dieu, Ada, prends pitié, je suis désolée. Je suis désolée. Tout est dur, vous m'avez détruit. Mon mari. Toi. Ma meilleure amie. Ada. Ada. Je t'en prie, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas souffrir, je te maudis. Ada, je sais que je t'ai blessée, mais je t'en prie, pour le bien de cet enfant innocent, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. S'il te plaît. Alors, avec ça, je suppose que j'ai plus rien contre toi. Tu sais que ce n'est pas vrai. Hey. Je suis plus le même homme que t'as connu.
Je me marie avec quelqu'un que tu ne connais pas la semaine prochaine. C'est bien. Ça va aller. Le passé est derrière nous maintenant. Elle ira mieux. Merci. C'est bon. Je ne sais même pas quoi dire. Il est mieux que tu ne saches rien. Elle ira mieux. Merci. Tu iras mieux. Désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que... Elle va bien? Je pense que nous devons aller à... Allez. Quelle est l'autre? Nous devons l'amener à l'hôpital. Ça va. De l'air. Oui. Nous devons l'amener à l'hôpital. Oui, mon bébé. Doucement, attends. Ça va aller. Aidez-moi. Et là, on va t'aider. Que quelqu'un m'aide. Aidez-moi. Tu vas bien? Ah. Alors, nous avons un bébé. Oui. Vraiment? Oui. C'est une petite fille. Oui. Eunice, qu'est-il arrivé à Eunice? Elle a eu quelques complications et elle ne s'est pas en sortie. Ça a été un long voyage. Oh oui. Elle a été en travail avant. Nous sommes allés à l'hôpital. Elle a essayé de pousser, mais le bébé ne s'est pas montré. Le docteur a dit qu'elle devait aller dans un autre hôpital. Arrivé à ce point, nous avons donc décidé d'essayer d'y aller spirituellement. Et c'est là qu'on a réalisé et qu'on a su qu'elle a fait un rêve. Qu'elle a fait un rêve dans lequel tu l'attachais. Tu attachais ses trompes et... Michael, c'est ridicule. Je ne comprends pas ces choses, mais c'est ce qu'elle a dit. Et c'est ce qu'on nous a dit. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus te demander pardon. C'est après que tu aies prié pour elle que... C'est après que tu aies prié pour elle qu'elle a accouché. Mais c'était... Ça va. Écoute. Ah, baby, je suis vraiment désolé. S'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé. Tellement. Et... J'ai besoin que tu me pardonnes. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai besoin que tu m'aides à prendre soin de cette fille. S'il te plaît, je ne peux pas le faire tout seul. S'il te plaît. Je sais.
Je sais que je ne le mérite pas. S'il te plaît. Ada, s'il te plaît. Écoute-moi. Je te pardonne. D'accord? Je suis désolée que tu traverses ça. Je vais t'aider, d'accord? Merci. Maintenant, écoute. Je ne laisserai pas mon mari avec un enfant. D'accord? Merci. Je t'en prie, allez, viens par là. Ça va aller, d'accord? Je suis désolée.